Bonsoir, docteur Jules, et bienvenue dans l'émission Parole Lakay. On le fera encore. Bonsoir, Jean. Merci en pile pour l'invitation ça, que vous avez moins dans Parole Lakay. Et je ne pas songer si c'est première fois, si c'est deuxième fois, ou bien si c'est troisième fois que je vais intervenir. Et donc, je remercie pour l'opportunité ça, que nous sommes capables de parler ensemble avec les auditeurs et ensemble avec fanatiques Parole Lakay. Et bon, moi-même, j'en saute dit à l'heure, c'est Leslie Jules. Donc, moi, je suis spécialiste en gestion des changements et particulièrement ça, où il est leadership et développement organisationnel et dans un langage que plus monde comprend. Donc, on n'a pas besoin de dire que son opportunité que à Soya, on est capable de parler sur un sujet qui passionne et c'est question leadership. Et alors? Allô, docteur Jules? Oui, nous recevons. Oui, nous recevons. Eh bien, entre Dieu, moi j'ai une question pour vous, et pour que nous capables d'ouvrir débat. Dans le monde qui toujours a dit, et ça nous va dire là, est-ce que nous devons dire tout? Il y a un monde qui dit que Haïti, c'est chance que le va gagner. En pile monde dit Haïti pas gagne chance. Ou bien est-ce que nous avons dit de préférence c'est erreur nous avec manquement nous qui que nous accumuler dans le domaine leadership qui conduit nous même dit nous ne veut pas le pays d'Haïti en tant que peuple dans carrefour difficile ça côté nous trouver nous aujourd'hui. Bon, sont très belles questions posées là, à savoir et monde qui cap dit est-ce que Haïti c'est chance qu'il va gagner ou bien est-ce que son crise de leadership. D'abord, m'da mais parler sous question chance là. Et un auteur qui dit que moi-même mon croyant pile dans la chance parce que plus mon travail est dur, plus la chance sourit à moi-même. Donc moi mais ça le dit, hein. C'est comme d'abord c'est au cas tirer chance sur même à partir de gens qu'on fonctionner. Donc ça veut dire que effectivement son problème de leadership que nous gagnons en Haïti, son problème de gouvernance. Et donc moi c'est que et sujet que ou ben on a souhaité son bel sujet et pour que nous capables de parler de leadership. Bien sûr, lorsque nous parlons de leadership pas seulement fait au sommet, leadership fait à la base tout. Dans le même temps des confrères là, t'as intervenu à partir de Chili qui t'a posé un ensemble de problèmes. Et problèmes à eux, c'est des problèmes qui sont capables de résoudre à la base. Parce que même au niveau de société civile, là, il y a un leadership qui est nécessaire pour que nous soyons capables de changer les conditions à eux. Mais cependant, ça n'a pas éliminé qu'au sommet, là, notre top là, particulièrement au niveau de l'exécutif, là, on a besoin de forme de leadership qui est éclairée, qui comprend un peu le problème, yo, en sorte que pour nous capables de sortir là-dedans. Yo. Parce que je vous dis, lorsque vous regardez Haïti, et vous avez l'impression que l'espoir, ça oui, l'espoir, son luxe, son bien luxueux, que en pile monde n'a rien possédé, mais vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de posséder bien ça, qui c'est l'espoir. Et c'est ça que je vous dis, et quitter Haïti, c'est une meilleure opportunité pour n'importe quel monde. Et c'est où tu es, ça t'est passé au niveau del Rio, et qui montre que, et justement, on a fui paysage, il a fui paysage par milliers, parce que pas gagné espoir là-dedans. Non seulement on a une crise de l'espoir, mais on a une crise de méfiance tout. On a une méfiance totale dans toute autorité qui est dans le pays, ça. Quel que soit le secteur confondu, hein, on a une crise d'autorité. Il n'y a pas fait autorité ou confiance. Il n'y a pas quoi dans la capacité autorité ou pour diriger. Et il n'y a pas quoi dans la volonté autorité ou pour diriger. Non seulement on a une crise de l'espoir, on a une crise de méfiance. Qu'on y a là où on crise d'interlocuteurs valables. Lorsqu'on regarde, lorsque international a regardé leader qui en Haïti, que le capable composer ensemble avec yo, on a l'impression que le traité est un petit monde qui est avec lui, parce que le baouen a eu même un interlocuteur valable, que le capable faire discussion, mais il y a beaucoup plus petit monde que le capable bailler l'autre et puis mettre à genoux. Donc là, on a un véritable problème de posture en matière de leadership, pour que un monde capable d'engager un dialogue constructif. Donc, lorsque vous gardez toute bagarre ça, vous êtes capable de dire que un problème fondamental en matière de leadership en Haïti, c'est que le monde qui est leader, il n'est pas contre qui ça un leader et qui est un leader. Et c'est ça que j'ai aimé, l'émission ça a fait à Soya,
côté m'ta aimé partager ensemble avec vous 20 profils de leader que nous besoin en Haïti. 20 profils leader que nous besoin pour que nous capable changer situation ça pour que l'espoir capable bourgeonner dans pays là pour que méfiance là capable suspendre pour que l'international là capable joindre dans leadership nous y ont interlocuteur valable que le capable et composé ensemble avec lui et tout pour que monde qui leader yo capable comprendre qui ça leadership yé, et puis agir en tant que des leaders responsables. Merci beaucoup et docteur Jules et est-ce que on va passer avec camarade Morange probablement camarade Morange il y a une question camarade Morange. Bon, mais nous saluons Dr. Jules et pasteur Dr. Jules. Monsieur Ben, écoutez, me dit pasteur, parce que Barry l'a fait me couper. Au moins, parce que Barry l'a fait me couper. Et, Dr. Jules, nous, juste poser quelque chose, même dans le micro, ou sur le palais là-dedans, d'un profil de leader dont Haïti a besoin. Avant que vous êtes dans ça, mais quand je dis mon Dieu, tout parfois il y a des gens qui veulent comprendre ça. Comme si est-ce que pas vous dites que un leader avec un manager. Parce que en Haïti, regarde, il y a une position pour diriger, il prend toujours vite et il passe comme un leader. Est-ce que pas vous dites que en deux? Effectivement, la différence qui est établie entre leader et manager. Leader à lui-même, c'est un monde, si vous voulez, son visionnaire. Donc, son monde qui a opéré à partir d'une vision que le gagnant, son monde qui constamment l'a inspiré, monde, et son, ou bien, pour son boîte à idées, et son monde qui a développé les choses. Alors, ce que manager à lui-même, il n'a pas gagné, l'a développé, c'est gérer, l'a géré. Donc, ça qui est important pour manager, c'est processus. Ça qui est important pour manager, c'est procédure. Parce qu'en principe, ça, manager a plus fait maintenance. Donc, manager a lui assuré que ça n'a même pas crasé et que ça n'a même pas productif, ça n'a même pas capable de gérer, générer résultats. Donc, c'est ça qui intéresse. Alors que leader a lui-même dit son développeur. Donc, lui-même dit pour un bagage là, il a multiplié parce que c'est capacité ça que le gagne. Mais pendant que le cas multiplié, il n'est pas toujours capable de gérer. Donc, c'est ça que fait le besoin d'un collaborateur ou bien des collaborateurs qui ont même compris le management pour qu'ils soient même capables assurer maintenance, assurer que processus là, assurer que procédure yo bay résultat à partir de vision que leader a lui-même l'idée établi. Merci. Et on pour Kamal Salomon et nous va connaître Kamal Salomon prêt et c'est une grande question tout Kamal Salomon. Merci Jim et quittez-moi saluer monsieur ou bien docteur Jules, moi dis un gros bonsoir et moi dis merci tout à ce qu'il répond avec l'invitation. Non? Et nous allons mettre des 20 points que docteur Jules va débattre ensemble avec nous pour connaître bien qu'on est question de leadership. Alors, question que nous avons pour docteur Jules, et nous avons demandé que est-ce que leadership là, c'est construit, il a construit la caille ou bien c'est une capacité innée que lui. Sont très belles questions posées là. Effectivement, son débat est qui très ancien et jusqu'à présent, pour qu'on monde qui arrive à prononcer de manière ex cathedra sous lui, à savoir est-ce que leader ou yo né ou bien est-ce que leader ou yo devenu leader. En réalité, on capable dire que c'est les deux. Pour qui ça? Parce que ça qu'arrive que même lorsque on allait dans maternelle, on allait dans kindergarten, ou regardez pour voir des petits monde qui ont certaines capacités pour que la tirer l'autre petit monde vers lui-même ou aller dans crèche là ou essayer de cap mener l'autre petit monde yo c'est pas l'école là prendre ni mais on a l'impression que le ont certaines capacités pour attirer le ont certaines capacités pour le diriger donc effectivement dans ce sens là ou capable dire que son bagage ou comme fait avec lui cependant yo réaliser que ça va dépendre de et est-ce que Timon ça li levé nan caille avec grand frère et ou bien grand sœur que tu côté capable copier sou yo donc lorsque Timon nan lui-même li gen des grands frères gen des grands sœurs que l'a copier sou yo donc lui-même li capable tout prendre là
qui capable de apprendre sur le tas dans ce sens par rapport à un petit monde qui pour contre lui qui pas grand frère avec grand sœur dans caille que capable copier sur yo. Mais en même temps leadership son bagaille que on apprend. Donc on capable apprendre qu'on est comment pour capable influencer monde. Ou capable apprendre qu'on est comment pour capable motiver monde. Ou capable apprendre qu'on est comment pour formuler une vision. Ou capable apprendre qu'on est comment pour partager une vision. Donc c'est des bagages ou capable apprendre. Donc mais en même temps, ou capable dire que pas dit que génétique, mais très tôt dans la vie des timoun, yo ouais que yo gen des capacités de ça ou des meneurs d'hommes. Donc yo capable conduire monde. Effectivement ça c'est leadership. Merci et à nos camarades Foucan et puis après ça on permet que docteur Jules continue parce que les gagnent et des informations que va nous spécialement na Kaïtia et nous va permettre que de continuer avec lui ben nous prend et camarade Foucan si toutefois il gagne en question et camarade Foucan bonsoir merci camarade Félix bon va poser une question moi je voudrais remercier docteur Lester Jules le fait qu'il répond présent et ou bien répondre à l'appel avec l'invitation nous. Hein. Nous espérons que ce toi là, il va l'apprendre en matière en ce qui a trait de leadership. Parce que nous pensons que le docteur Gilles et il font doctorat en leadership, les maturité, les capacités pour expliquer aux haïtiens, chaque bien haïtien capitaine d'émission ça se fait, dans quelle dimension et nous besoin de leadership éclairé, un leadership constructif pour Haïti. Que nous souhaitons. Merci. Merci beaucoup, camarade Foucan. Et avant que nous quittions, docteur Jules, continuer, comme que nous avons dit qui est important, nous avons demandé tout le monde qui branche, quel que soit sur les réseaux sociaux, sur Facebook Live, ou du moins, ou écouter l'émission ça à travers le website, là, ou bien sous app là, ou bien à travers NYK et en radio sœur qui est dans New York, relons amis ou bien partagez avec nos amis, faire une temps d'émission ça. Nous ne pouvons pas faire buzz. Mais nous venons former nous. Et à Soya, nous gagnons un sujet qui est vraiment intéressant. Et en plus de cela, tout, nous gagnons un invité qui a une capacité. En nous perdre du temps, en nous quitter et Dr. Jules continue. Encore une fois, merci beaucoup, Jean, pour l'invitation. Hein, pour que nous soyons capables de parler de un type de leadership qui est capable de porter et si on les résultats que nous-mêmes attendons en Haïti, qui est capable d'adresser. Et problème l'espoir qui pas existé dans le pays encore, problème méfiance qui blaille tout partout, problème interlocuteur qui pas disponible pour international là capable parler ensemble avec yo et manque de connaissances monde gagner sur qui ça leader yé et qui rôle un leader. D'ailleurs me présenter 20 profils ou bien 20 caractéristiques yon leader que nous besoin actuellement là. Première caractéristique là, c'est que nous besoin leader qui inspire changement. Lorsque vous définissez leadership, vous voyez que leadership capable présenter sous forme d'un triangle, sous tête triangle là, où gain leader, nous on côté en bas, où gain y a monde cap suiveur, et dans l'autre angle où gain changement. Leadership caractérisé par changement. Donc y a un leader qui pas inspire changement. Donc, il n'y a pas un type de leader qui est capable de réaliser grand-chose. Parce que le changement, lui-même, est fondamental. C'est ce qui caractérise le leadership. Leadership n'a pas rien à voir avec le status quo. Automatiquement, on monde peut perpétuer un status quo. C'est-à-dire que la continuer avec le même type de pratique. Ça, donc, le monde ou dit que ce n'est pas un leader qui a porté fruit. Bon, il se trouve que lorsque vous regardez l'environnement politique haïtien, vous voyez que c'est même figure, c'est même nom, c'est même profil là que vous retrouvez, que vous tournez en rond depuis ces 30 dernières années. Donc c'est ça que le monde, vous n'êtes pas capable de porter rien de neuf parce que vous n'êtes pas habitué avec ce type de réalité. Ça. C'est tout simplement, au toit que je m'y mette, c'est tout simplement une continuité, mais vous avez l'impression que ce n'est pas des leaders qui sont capables d'opérer une rupture. Pour capable enclencher un changement. Donc, première caractéristique leader que nous besoin, sont leaders qui sont capables d'inspirer changement. Deuxième caractéristique là, non seulement leader a besoin d'inspirer changement, mais leader a besoin capable de communiquer changement ça. Et lorsque je parle de changement, je parle d'une vision. Une vision peut-être qui est capable de dire
Mais qui ça haïtien moderne t'a supposé sembler au 21e siècle, mais à qui ça haïtien t'a dû ressembler? Parce que ça n'a pas gardé aujourd'hui à là, lorsque n'a pas gardé gens monde fonctionner dans pays ça, ou bien l'impression que ça n'a pas gagné à ouais avec gens monde t'a supposé fonctionner tel que bon Dieu lui-même l'a créé l'homme à l'image lui. Donc ou besoin d'un leader qui est capable de communiquer changement ça, communiquer vision ça, en sorte que vision est capable d'une vision partagée. Lorsque vision est partagée, c'est tout à fait normal, tout le monde va le sentir, faut qu'il mette main à la pâte. Parce que là, ça, il n'y a pas dit c'est vision leader, non, il dit c'est vision pas non. Parce que jusqu'à présent, on va regarder, on a l'impression qu'il y a des leaders, chaque dîner ça va le faire, mais c'est comme Dadou Baye l'arrêté au niveau par yo, on a l'impression qu'il était au niveau de l'idéologie partie. Hein. Mais c'est pour un bagage qui est partagé par la majorité des Haïtiens qui étaient capables de dire effectivement c'est dans la direction que nous voulons aller. Donc jusqu'à présent dans le pays, on n'a pas un leader qui est capable de communiquer une vision de changement national côté tout Haïtien capable de dire c'est l'âme aller. Et donc dans ce sens, donc là, ça ouvre une situation côté ou pas capable de déclencher changement véritablement, ou pas capable de voir le leadership là qui a l'œuvre. Troisième caractéristique, yon leader, son monde qui besoin de crédibilité. Malheureusement, concept crédibilité, ça, monde pas toujours comprendre ni. Crédibilité pas fonction de son bras le fait, mais elle fonction de son fait déjà. C'est-à-dire que lorsque vous dites un leader crédible, il va dire crédible parce que le bon plan, il va dire crédible parce que le bon belle vision, il va dire crédible parce que mais ça l'accomplit déjà, mais ça le charrie derrière, mais ça le réalise déjà. C'est sous base ça le crédible. Parce que lorsqu'on regarde à chaque fois qu'on voit une élection dans le pays, on a des gens qui campent, qui disent votez, c'est des leaders crédibles. Alors que mon n'a pas même en boutique, mon n'a beaucoup fait marcher. Même en boutique là, Kaeli, mon n'a pas gagné. Comme si nous avons un bagage pour ta fier de lui-même, pour ta réaliser, pour ta dire que mais ça me fait déjà. Et donc, sous base ça, voter. Ou pas un type de monde ça. Bon, bien sûr, pour gagner des leaders, qu'on y a là qui commencent, si vous voulez, à construire des track records pour capable montrer effectivement qui ça a gagné, qui a kiff, ou que vous développez déjà. Et donc, là, ça, pour capable croire effectivement, vous capable de faire l'autre bagage là. Parce que la réalité, elle est claire. Et même la Bible est parlé de ça. La Bible dit que les gens qui sont fidèles dans les petits bagailles, la fidèle dans les gros bagailles. Maintenant, si vous ne pas en faire preuve de fidélité dans les petits bagailles, et vous avez un pays dans le monde. Il s'est le faire. Donc, vous avez besoin, troisièmement, vous avez besoin d'un leader qui est crédible. Et c'est sous base ça, nous avons mis au camp devant nous. Quatrième type de leadership, vous avez besoin d'un leadership qui croit que tout bagaille arrivé à partir de objectif qui fixé et un prix qui payé. Ça, c'est John Maxwell qui dit. John Maxwell, son gourou en matière de leadership. Il dit que si on réussit en tant que leader, il y a deux bagailles que le fait. Premièrement, il fixe son objectif et deuxièmement, il paye priant. C'est-à-dire passer à la caisse. Il y a une bagaille que nous faut en Haïti, c'est faire plan. Et chaque temps, et nous avons les Nations Unies qui viennent, qui aident nous faire plan, nous avons des experts à droite à gauche qui aident nous faire plan, des plans de développement national, des plans stratégiques, ou un paquet de plans qui développer. Tout plan, ça a aussi expression des objectifs. Mais maintenant, qui est-ce qui a passé à la caisse? Qui est-ce qui va le sacrifier pour la prochaine génération? Qui est-ce qui va le dire que plan ça a qui ça le mandé? Et des fois, on a l'impression que chaque temps un nouveau monde vient, il réactualise un ancien plan. Par contre, si des fois, on a des déclarations de politique générale, lorsque le Premier ministre a fait, on a l'impression que son ancien déclaration de politique générale qui tape dormi dans un petit ou à charger poussière, et puis qu'on a un nègre à prendre, il saupoudre, il met deux trois bagages là-dedans, il vient présenter devant mon encore. Pour qui ça? C'était des bagages qui n'ont pas jamais été implémentés, parce que pas jamais été une volonté pour être capable d'implémenter. Donc, on a besoin de leadership qui non seulement a une capacité pour être capable de fixer des objectifs, mais il faut avoir une capacité, il faut avoir une volonté pour le payer prix. Parce que depuis pas de prix payé, pas de rien de concret que le monde est capable de réaliser. En principe, c'est comme ça que le leadership fonctionne. Cinquième bagaille, je pense que cinquième posture que un leader a besoin de gagner, c'est que le leader a besoin d'entourer de l'autre monde.
Moi-même, je ne pas dans un mythe de sauveur. Je ne pas prendre un sauveur pour Haïti. Et quel que soit le leader que tu as présenté devant moi, qui dit que c'est une solution à Haïti, c'est son sauveur lié. Moi-même, je ne pas dans un mythe sauveur. Je suis une équipe. Son équipe, nous l'avons, pas un grand monde, pas un monde, pas un superman. Nous voulons un monde qui a une équipe, parce que c'est ça leadership. Leadership, c'est la capacité que un monde a pour être capable d'entourer. Entourer de monde qui est plus intelligent parce que nous, mais John Maxwell, nous consacre, soit en tant que leader, ou dans un espace. C'est au plus intelligent dans l'espace-là qu'on a mauvais espace-là. Mais il y a des mondes qui sont complexes, il y a pas des mondes qui sont intelligents de côté. Pour qui ça? Parce que mon nom, il fait de l'ombre. Parce que il y a des pour en bas spotlight là, c'est vous-même pour toujours, il n'y a pas entouré de monde qui est fort passé. Il n'y a pas entouré de monde qui est intelligent passé. Pour qui ça? Parce que il y a un problème d'ego. Or, leader qui respecte tête là, sont des mondes qui justement cap entouré de compétences. Parce que leader n'a pas gagné toute compétence. Leader, c'est un chef d'orchestre que lui. Chef d'orchestre, l'autre mon chef d'orchestre, n'a lui-même son et la conduit orchestre là, mais chaque monde dans l'orchestre là a un instrument et a joué. Chaque monde a une compétence. Bon, je garantis que deux mondes qui a joué instrument dans l'orchestre là, et chef d'orchestre là, lui-même, je ne sais pas manipuler l'instrument ça ou non. Parce que ça n'a pas une compétence pâle, mais il assure que il y a des mondes qui ont une compétence qui entourent. Non seulement leader a besoin des monde qui ont compétence qui entoure, mais faut que monde ça yo pas seulement compétent, faut que c'est des monde qui désintéressé. Parce que là encore son l'autre bagaille qui est important dans le leadership là. Parce que leur leader avant tout il n'ont pas qu'être vicieux, certainement il va pas aucun côté. Parce que leader ça faut une capacité, faut que monde qui beaucoup entouré leader ça, faut qu'il ait une capacité, faut que leader bail monde ça yo permission pour le challenge lui. C'est-à-dire que si leader a une mauvaise direction, il faut que quelqu'un qui beaucoup de leader pour dire « Ah, mon cher, pas prendre route ça. » Mais ça qui passe la taille, donc c'est que nous avons un leader, nous avons entouré de un paquet de monde, comme si nous avons dit, c'est leader qui fait seulement autorité dans le temps, parce que c'est leader qui est intelligent, qui entoure dans l'équipe de monde qui est médiocre, qu'on y a là, monde ça n'a pas foutu de leader lorsque il a une mauvaise direction. Et son bagaille qui doit, son bagaille qui dit, et qui est très dangereux en matière de leadership, lorsque vous avez dirigé, ou pas bien personne autour de vous-même qui est capable de challenge vous. Son bagaille qui son position très dangereuse pour un leader. Et c'est ça que le monde qui a réfléchi sur le leadership. Je dis que un leader, supposé, un groupe de monde, il n'est pas obligé en pile, il est capable de citer 3 à 5, des monde to keep you accountable, j'en vois dire en anglais. C'est-à-dire que des mondes côté monde ça est capable de râler les oreilles leader parce que leader est capable de brancher parce que leader il pas toujours une vision 360 degrés sur toute bagaille donc il besoin des mondes qui bon côté qui capable ouais ça va ouais et ça va ouais pour capable dire et non pas un monde qui constamment a dit leader des bagailles que leader a l'étendu et c'est ça que c'est sixième caractéristique là. C'est que son leader qui pas marché dans flatterie automatiquement un leader des deux monde bon côté c'est monde qui a flatté seulement donc on peut garantir leader ça condamné pour l'échouer parce que lorsque ou son leader ou voulez que monde qui bon côté yo soit pas ouais pour yo même yo dire ou li en sorte que pour capable corriger cahier mais malheureusement ou bien des leaders qui ont ego surdimensionné qui remet que chaque temps pour que les gens capable flatter yo pour capable faire croire que yo sont super homme et puis pourtant pas grand rien qu'à régler. Donc tout simplement c'est des monde qui là si vous voulez cap et qui très intéressé eux même par intérêt personnel mais qui tout simplement là pour flatter ego leader mais qui pas prendre rien de sérieux la donne. Ça c'était sixième là. Septième et caractéristique que nous besoin la caillon leader actuellement là qui capable adresser défi que n'a fait face dans pays ça son leader n'était capable dit qu'il représentatif c'est-à-dire que faut que son leader lorsque international l'a regardé faut le voir que son nèg qui valable faut le voir que son monde est capable composer ensemble avec lui son monde comme si on va dire c'est bon rester avec lui là
Donc ça est extrêmement important lorsque nous avons gardé le leadership pour que nous soyons capables de type de monde. Et pendant que nous international là, je suis capable de dire qu'il y a une autre caractéristique de leadership, peut-être cette septième caractéristique là, c'est que son leader n'est pas dans nos cas offerts. Or, il se trouve que international là plus à l'aise pour le bon leader en Haïti qui est dans nos cas offerts. Parce que depuis qu'on est droite internationale, l'Assemblée, il n'y a pas trop de servir avec eux. Il faut qu'on soit dans nos cas offerts pour être capable de manipuler à droite à gauche. Eh bien, nous avons besoin de leaders comme septième ou huitième caractéristique. Nous avons besoin de leaders qui n'ont pas besoin de nos cas offerts. Nous avons besoin de leaders qui n'ont pas besoin de dossier. Et donc, le ça, leader est capable de fonctionner en toute indépendance. Et parce qu'il est capable de fonctionner en toute indépendance, international là pour réaliser que en face li li gon interlocuteur valable parce que comprendre bien pour qui ça j'a passé nous l'ordre il pas capable passer président dominicain l'ordre dans état ça pour qui ça parce que lorsque il a parlé avec Abinader il a réalisé que il en face d'un interlocuteur valable et pourtant il grand pile investissement l'autre bois dans la République dominicaine il grand pile investissement il grand pile à perdre. Même si on a des bagailles pour perdre la caille, nous, il y a des bagailles pour perdre l'autre bois tout, mais on réalise que nous avons besoin de l'autre traitement pour lui-même par rapport à nous-mêmes. Donc c'est ça que nous disons, un type de leader comme ça que nous avons besoin, un monde que nous sommes capables de respecter. Maintenant, l'autre caractéristique, c'est la huitième caractéristique du leader nous besoin. Nous avons besoin de leader qui est capable de prendre des décisions impopulaires. Parce que quand on a l'âme, on a plongé avec un peu l'attention. Mon frère Chili, qui t'a dit tout problème que nous avons confronté en Haïti, et monsieur bien beau, ces problèmes sont bien établis, tableau. Mais c'est des batailles, si vous voulez, il y a un leadership qui est capable d'adresser, dans la mesure où il est prêt pour prendre des décisions impopulaires. Il y a un leader que je remets, c'est Paul Kagame. Malouanda, deux ou trois fois déjà. Donc, moi, oui, personnellement, ça que Kagame a fait l'autre bois. Une décision que Paul Kagame te prend, ça a 6 ans de cela, c'était qui ça? Monsieur te dit que, faut que toute l'église, toute mosquée, Wanda, faut qu'ils respectent les codes de construction. Si vous ne respectez pas les codes de construction en tant que bâtiment public, la fermez yo. Effectivement, pour preuve, chose dite, chose faite, il y a plusieurs églises, plusieurs mosquées fermées. Les gens qui ont que le président sérieux, ce n'est pas jouer, il a joué. Ce n'est pas même genre, et on sérieux de côté. Décision à prendre aujourd'hui, demain matin, et décision à changer. Pour qui ça? Parce que le parent en faveur, il y a un qui entoure les leaders. Donc, l'heure où est que décision à prendre, il y a toute l'église qui est conformée. Parce que M. dit, c'est normal. Parce que premièrement, nous sommes bâtiments publics, en tant que bâtiment, si vous voulez, pour accueillir les gens, nous avons besoin de respecter des codes de construction. Nous devons respecter des normes. Ensuite, nous devons parking. Ou pas capable bon l'église, bon parking seulement pour pasteur l'église là. Ou besoin parking, ou besoin des espaces, si vous voulez, pour capable permettre que des espaces d'évacuation. Si vous avez un problème, pour qu'on capable assurer que le monde ne va pas mourir parce que le monde va fouler le monde en papier. Donc ça, c'est un bagage extrêmement important pour qu'on capable bon leader qui prend pour prendre des décisions impopulaires. Pour qui ça? Parce que mon besoin, mon mené. Ce n'est pas peuple qui mène leader, mais c'est leader qui mène peuple. Question de bagaille, et prend pouvoir, nous prenons le bail peuple pouvoir, il n'y a pas qu'on bail peuple pouvoir. Son leader qui dit au peuple, nous voulons voir à droite, peuple, nous voulons voir à gauche, c'est pour le peuple à dégager le fait à droite, et pour le dégager le fait à gauche, parce que c'est leader qui a mené, mais ce n'est pas peuple qui a mené leader. Mais pour leader à faire ça, il faut être capable de prendre une série de décisions. Des décisions impopulaires, certainement, mon cadre est en mouille. Ou capable même de faire une organisation droit de l'homme, même qui prend le finement dans l'âge. Par exemple, ça va être fait, mais l'idée a campé derrière ça va faire. Même mon leader Philippines, je décide que je vais combattre la drogue. Et puis, qui ça, monsieur, fait? Et monsieur, il était, qui ça, monsieur, fait? Monsieur, déployé, si vous voulez, sur tout monsieur dans la drogue. Tout monsieur dans la gang, et puis je dis, je ne sais pas si c'est pays. Parce que on leader, automatiquement, on travaille pour mon remé, ou on va aller échouer. Parce que automatiquement, son leader, il y a des gens qui ne peuvent pas remé. Un leader, ce n'est pas un clown que lié. Job, mon leader, ce n'est pas faire mon remé.
job on leader c'est mener moun. Et le plus souvent côté où tu as dû mener moun yo pas toujours connait c'est la bon pour yo. Mais puisque c'est responsabilité leader pour le mener, donc dans ce sens ça leader est capable d'appeler à prendre des décisions qui impopulaires. Maintenant, neuvième caractéristique la caillon leader. Yon leader, c'est yon moun justement qui croit que il n'est pas capable de faire gros bagay sans que il pas gon justice qui fonctionne là dans un pays. Yon leader qui pas investi dans la justice. Yon leader, si vous voulez, qui prend tête li, non seulement et qui prend tête li pour tous les trois pouvoirs, parce que ça a son mal grave que lié. Parce que en principe, c'est ça que Lord Acton dit que le pouvoir corrompt. Le pouvoir absolu qu'on absolument. Dans tout l'État qui respecte tête li, ou qu'on séparation de pouvoir, pour empêcher que le pouvoir va concentrer dans mon seul monde, pour tête monde ne va pas vivre même grosse assiette là. Donc c'est-à-dire que l'exécutif là, il n'est pas capable d'embrasser le judiciaire, ouais, il n'est pas capable d'embrasser le législatif là, ou supposer gagner une séparation de pouvoir pour que pouvoir lui-même, pour que l'exécutif là capable de retenir un chèque. Ou supposé, on ne peut voir pas capable de supposer contrôler. Mais le plus souvent, on regarde que, et monsieur, il a instrumentalisé justice là, qui vient faire que qu'on y a la justice là, son bagage, son vient tout un instrument de persécution politique, qu'on y a là, qui vient faire que justice là, n'est pas capable de bailler, et on vient vivre un côté, la justice là, vend au plus offrant. Qui est ce monde qui a payé justice là, c'est lui-même qui a besoin de justice. Ou n'est pas capable de construire une nation si ce n'est pas sous justice qu'on construit. Parce que ça, c'est une réalité. Et lorsque on a parlé de justice, on a parlé de qui ça? On a parlé de tracer exemple. Lorsque on regarde l'histoire, bon Dieu, avec le peuple d'Israël, lorsque le film prend en Égypte, qui ça, bon Dieu, fait? Chaque temps, un problème qui passe, bon Dieu, trace son exemple. Depuis exemple, on a fait tracer tout le monde prend main. Pas de leadership sans exemple, pas tracé dans la justice. Mais lorsqu'on regarde en Haïti, il est très difficile pour qu'on soit capable de tracer des exemples, parce que si on peut tracer des exemples, c'est lui-même qui finance, c'est lui qui met le monde sous pouvoir. Donc, le monde est redevable. Et puis, gros problème que nous avons dans le leadership, nous, c'est que le leader, nous, il y a un maître. Le leader, il n'est pas capable de réfléchir de par lui-même, il y a un trop maître. Et donc, le ça, on est là, on vient en face un leader qui n'est pas capable, si vous voulez, faire apparaître justice la marché, ou bien quitter le marché en toute indépendance. Et qui ça prend le bon? Ça prend le bon impunité. Et donc, lorsque Jean t'a posé la première question, tu as dit que est-ce que c'est chance nous pas gagner? Ou bien est-ce que c'est travail pour nous là? C'est travail qui fait nous là. Ou capable d'expliquer la situation à Haïti. Situation à Haïti, c'est notre travail parce que bon Dieu crée un univers causal, c'est-à-dire un univers de cause à effet. Même cause, il a produit même effet ou dans même circonstance. Donc si on n'est pas satisfait de effet, on a besoin d'adresser cause là. Et c'est ça que là encore moi et mes camarades là qui t'a bossé tableau et sur Haïti et puis qui t'a dit que est-ce que nous posons vrai problème yo? Parce que automatiquement vrai problème yo pas posé, tout ça qu'a fait là c'est saupoudrage. Tout ça qu'a fait là c'est fait temps passé. Parce que bon réalité n'a fait temps passé, hein, parce que c'est n'a fait temps passé hein, que tout n'est pas riche. Parce que c'est ça politique là en Haïti. Politique là sont opportunités liées pour le monde capable de faire l'argent. Maintenant, puisque Kounia là, l'argent par exemple suffit pour le monde capable de voler l'argent, donc Kounia là, chaque monde veut faire temps passé pour le capable de faire capital politique par là. Et le ça vient de mettre maintenant, si vous voulez, dans le dixième et point sous leadership, c'est que leader a quoi que pouvoir. Son moyen et non une finalité. Bon leader, c'est le monde qui croit que pouvoir, son moyen pour accomplir certaines choses et non une finalité. Mais les deux nègres, pouvoir, son finalité en soi. Nous avons l'homme pour écouter, on l'a pour un gros projet que nous avons fait en Haïti. Et puis, qu'on nègre qui soumet Séville, et puis dans Séville, M. Samuel Maké, ex-candidat à la présidence. Comme si nous avons supposé que M. a une attention particulière parce qu'ils ont un ancien candidat. Et si nous avons un président même. Parce que pour qui ça, en pile, nous prenons le pouvoir comme une finalité en soi.
Et c'est ça qu'on a une course effrénée vers le pouvoir, parce que le pouvoir est une finalité. Parce qu'on est automatiquement dans le pouvoir, qu'on peut tomber sur vous, contre après tomber sur yo, yo pral capable assurer avenir yo, parce que pouvoir en Haïti sont facteurs de mobilité sociale. Alors que dans l'autre pays qui a bien marché yo, lorsque y a considéré les facteurs de mobilité sociale, il y a un facteur que vous considérez par excellence, c'est l'éducation. Et c'est ça que vous investi dans l'éducation, parce que vous connaissez que lorsque vous avez l'éducation, la mentalité moun yo a changé, moun yo pral kon le goût du beau, moun yo pral le travail, donc moun yo là, ça pral augmenter, si vous voulez, capacité moun yo pour vivre plus productif dans la société. Parce que l'éducation sont facteurs de mobilité sociale. Mais en Haïti, c'est la politique. Et c'est ça que justement, lorsque vous regardez, je pense qui sociologue, et qui t'a dit que dans une société, mon yo gen tendance à reprendre le comportement que vous avez valorisé. Donc si c'est la personne de l'entrepreneur qui est valorisé, tout le monde t'a voulu un entrepreneur. Mais comme c'est la personne du sénateur qui est valorisé, comme c'est la personne du député, tout le monde voulu un sénateur député. Parce que c'est ça yo, que vous voyez que la société a libéré valeur. Donc on y a là pour voir les vins tout nos finalités, mais pas tous nos moyens. Alors que pouvoir, supposons, moyen pour capable améliorer les conditions de vie. Tout pouvoir, c'est le pouvoir. Parce que le gouvernement civil, bon Dieu, établit après le déluge. Pour qui ça, bon Dieu, fait? Il fait pour que le gouvernement civil soit capable d'adresser en partie le problème du mal. C'est-à-dire que mettre l'ordre dans les ordres. Et puis assurer que le monde est capable de vivre en tant que monde. Donc, ils ont pouvoir, son moyen que lié, pas en finalité. Mais malheureusement, pour la Kainou, son finalité que lié, et c'est ça que l'on a une élection, il y a 52 candidats à la présidence. Pour l'impression, toutes les qui comptent lié dans le pays, les présidents. Pour l'impression, toutes les qui sont à l'école, ou bien toutes les qui comptent comme série là-bas, qui pensent être capable de président. Tout, au final, tout haïtien est présidentiable. Tout le monde est président. Pour qui ça, parce que son finalité pouvoir et non moyen, qui ça va le faire pouvoir, ou beaucoup qu'on est. Mais vous seulement connaissez que, automatiquement, vous pouvez ça, vous garantissez l'avenir, non seulement pour génération, mais pour chaque génération, petite. Donc, si vous avez le travail, si vous n'avez pas le travail, ce n'est pas grave, parce que vous avez assez de copes, vous mettez à l'abri, au détriment du plus grand nombre. Douzième élément dans le leadership là, qui est important, c'est que, un leader, c'est un monde qui a une capacité pour penser manche longue. Même lorsque il parle pour tout temps, il parle pour un pile temps. Et ça, c'est un bagage qui est grave. Qui ça a empêché? Yon nèg, c'est pas parce qu'on a un quinquennat devant qu'il ne faut pas capable de gonfler en sous 20 ans. C'est pas parce que c'est 5 ans seulement fait sous pouvoir qu'il ne faut pas capable de penser sous 30 ans. Qui ça a empêché de penser 30 ans? Mais non, parce que nèg l'a réfléchi quinquennat, l'a réfléchi pendant 5 ans là. Qui accumulation de capital que le capable fait, mais n'est pas capable de vision d'ensemble. Et le plus souvent, on regarde ça, on regarde même dans l'expression politique générale, nous, on a donné dans quelqu'un, alors, on a parlé de politique générale, même bagaille, on a pris un tiroir, retiré poussière sur eux, et puis on a campé devant le Parlement, descendre en bas avec un sac l'argent, et parce que on a voté, politique générale avant même que vous tendez. Vous comprenez? Parce que ce sont formalités que liées. Tout bagaille c'est sous la forme, tout bagaille c'est pour l'apparence, c'est comme ça ne fonctionne. Donc, quand il y a là, nègre, lorsqu'on obtient des déclarations, nègre, demain, ça va le faire sous 5 ans. Maintenant, ça va le faire sous 5 ans, comment le connecter avec l'avenir, comment le connecter avec une vision au-delà d'un quinquennat, ou pas, ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est ça qu'on n'est pas qu'à faire gros projection dans le pays. Même son spécialiste dans la question planification stratégique, côté ma compagnie, plusieurs institutions là-dedans. Chaque temps que fait plan stratégique pour l'institution, nous réalisons que nous ne sommes pas capables de réfléchir au-delà de 7, 5 ans, au-delà de 10 ans. Pour qui ça? Parce que nous trop aléa, nous trop impondérable, nous trop bagaille ou pas maîtrisé. Pour qui ça? Parce que nous qui sommes tête l'État, nous ne sommes pas capables de faire une vision long terme. Donc personne ne va pas côté au garde. Je dis à dire au monde 2040, qui côté la pile va qu'on est. Tout le monde voit. Monsieur, j'ai été consent même qui allait dans une zone. Monsieur réuni différents leaders pour monsieur font travail de développement à leader.
et puis je dis leader, monsieur, dans 5 ans, côté nous, nous. Et qui, alors, monsieur, t'attends à ce que leader, tu as dit, et dans 5, 10 ans, yo wayo nan yon communauté qui gagne de l'eau potable, yo wayo nan yon communauté qui gagne un bon système d'éducation, yo wayo nan yon communauté qui gagne un bon programme crédit pour que le monde capable d'avoir accès à l'argent pour faire business, yo wayo nan yon communauté qui gagne un pire programme qui a développé capacité jeune, donc yo wayo nan yon communauté, si vous voulez, côté technologie, blaye dans la communauté, à côté mon appétitiser technologie pour améliorer les conditions de la vie. Monsieur attend à ce que mon Dieu puisse vivre dans une communauté, côté de santé là-dedans. On prend le côté où monde pas besoin et la mourir parce que pas un centre de santé et qui jambe ou parce que pas un hôpital sérieux dans un pays. Et puis malheureusement, qui ça n'a pas répondu, l'élément dit au monsieur qui côté nous dans 5-10 ans, n'a pas dit aux États-Unis. C'est sa vision. Hein. Parce qu'il n'est pas capable de une vision pour le pays. Hein. Pour qui ça? Parce que le monde qui a dirigé, il n'est pas capable de bailler une vision long terme pour le monde capable de voir le pays à Brali. Et donc, vous êtes capable de comprendre l'exode là. Vous êtes capable de comprendre l'exode ça qui a fait là. Vous êtes capable de comprendre le drainage de cerveau ça qui a fait là. Parce que le monde n'est pas capable de voir à qui ça l'a semblé. Or, il se trouve que réalité, même Jean Bon Dieu te dit Jérémie, bonheur dépend de bonheur côté hier. Et donc c'est pour travail, c'est pour chercher bien côté hier. Maintenant, si bonheur dépend de bonheur côté hier, on n'a pas capable de voir dans 10, 15 ans, ça va passer côté hier, ou pas capable de blâmer mon dano s'il jette. Au contraire, mon ça jette par intelligence, intelligence émotionnelle. Parce qu'il n'y a pas de côté le bras lire. Et c'est ça que je commence pour me dire que l'espoir sont tout le bien luxe dans le pays. Puis en pile, le monde n'a pas accès à lui-même. L'autre point qui est important tout en matière de leadership, c'est que un leader, ce n'est pas un monde qui retarde le monde. Donc un leader, c'est un monde qui est capable de penser de manière indépendante. So, ce n'est pas un monde qui a dit, mais qui sort doué penser. Or, il se trouve que leader noyau, c'est des restes avec, soit c'est des restes avec oligarque, soit c'est des restes avec international là, ou bien soit c'est des restes avec parti politique qui te mettait là. Donc c'est-à-dire que qu'on y a là ou bon leader qui puisque son reste avec lié, il n'est pas capable de penser pour le plus grand nombre. Il n'est pas capable de penser pour la majorité. Donc il y a un petit groupe de monde que la cherche est satisfait, ou du moins la satisfait un petit groupe de monde au détriment de l'autre groupe encore. Et donc là, son bagage qui est grave. Donc là, ça sous pas bon leader qui, si vous voulez, qui est capable de penser de par lui-même, ou pas prendre aucun côté. 14e caractéristique, un type de leader que nous besoin, moi je crois que nous besoin un leader qui est craintif pour bon Dieu. Il y a un leader qui croit que bon Dieu crée le monde à image li, selon ressemblance. Li. Et parce que c'est comme ça bon Dieu fait, nous avons une dignité absolue et inviolable. De façon mon a vivre dans le pays, ça n'a pas de dignité. Pas de dignité là-dedans. Donc c'est pas comme ça bon Dieu te crée le monde pour monde vivre. Parce que même mon qui est bête, il n'a pas traité bête comme ça. Voir pour que le monde qui crée à l'image de Dieu a vivre comme ça. Donc, lorsqu'on a des leaders qui n'ont pas craintif pour bon Dieu, ou bien des leaders qui pensent que c'est eux-mêmes qui bon Dieu, sont monarques, ils font ça, ils veulent. Et donc, là, ça, la bosse, ça que nous vivons là. Quasiment, nous avons besoin de leaders qui, d'après moi-même, qui besoin courageux. Un leader qui est capable, si vous voulez, camper derrière une série de décisions. Il y a un leader, je me suis dit, j'ai un problème. Et ça, on va être assez récent, on ne peut pas réaliser ça. Tout au début des années 90, où tu as une situation qui a développé au niveau de métro New York et qui était vraiment alarmante, côté au moins où tu connais chaque une heure de temps, on dit mourir dans le métro, soit par arme à feu ou bien arme blanche. Toutes les fois où les longs policiers viennent gérer la situation métro, pas de mec qui est capable. Finalement, on est qui sont Boston, on est qui les guns, on prend monsieur. Yo mette monsieur pour le gérer ça. Monsieur qui était famille Boston, monsieur là sous place. Kounya, monsieur besoin comprendre qui ça passe dans métro ça, qui fait métro ça ingérable dans l'état ça. Monsieur les deux professeurs université pour le dire, étudiez pour moi
qui s'est passé qui fait mon agir comme ça. Peut-être que mon nous capable de souffrir, peut-être que mon qui capable prendre histoire ça déjà. Moi-même, moi j'étais l'île dans et dans un livre de que Malcolm Gladwell et qui écrit c'est The Tipping Point. Où ça d'où comme ça que lorsque les professeurs yo bail rapport et yo développer son relé la théorie de la fenêtre brisée. Qui sa théorie a dit? Théorie a dit que si on dans un building, dans une communauté ou un building qui vient vite craser là-dedans et que personne ne va réparer, ça le dit qui ça? Ça le dit dans la communauté, ça n'importe qui capable de faire ça, ou les gens ouvrent. Parce que c'est chaos, c'est désordre. Je vois la fête là en Haïti, il y a son chaos, son désordre, son désordre organisé. Je vois l'action et la fête là. Et puis, quand il y a là, je suis des professeurs, qui ça nous est dans le métro, New York, là, qui fait nous croire que, et qui fait nous croire que, qui a fait ça ouvrir dans le métro. Je dis, n'est-ce pas, dit trois bagailles, ouais. Premièrement, métro a senti pipi. Deuxièmement, et métro a son passo allié en termes de toute qualité d'âme à entrer dans le métro. Et puis, troisièmement, c'est graffiti qui sous mur avec sous-train. Je dis, bon, bras l'adresse, bagaille, ça. Monsieur, c'est ton leader courageux. Monsieur, on est tout policier dans le métro. Il dit, monsieur, vous connaissez, désormais, depuis que nous avons pipi dans le métro, nous avons fini, nous avons ballon contravention. Nous avons dit, bon, je ne parle pas pour ça, etc. Monsieur dit, monsieur, c'est soit fait job là ou bien quitter. Et ça m'a parlé de leader courageux. Donc, on y a là, policier, il y a vu un mec qui a pipi. Donc, on y a mon premier victoire. On y a là, problème senti pipi, il résout dans le métro. Deuxième bagaille que monsieur a attaqué, c'est problème qui sont monde capable d'entrer dans le métro avec n'importe quelle qualité ça mouge. Ce qu'on y a là, monsieur baille tout négio, arrête qui ont détecteur de métal, de pouvoir entrer dans le métro ou passer détecteur de métal, pour capable est-ce que qu'est-ce qui sont gagné dans maison. Ce qu'on y a là, il y a un monde qui va entrer dans le métro qui connaît ou pas passer détecteur à sous lui, même on taille zone il va aller dans le métro ensemble avec lui. Mais comment monsieur vient assurer sécurité dans le métro? Qu'on y a pour graffiti lui-même, monsieur baille négio, monsieur baille policier yo. Et il y a une éponge, il y a un détergent, il dit, monsieur, dégagez-nous, je ne vais pas rentrer dans le métro avec un graffiti sous lui. Je dis, monsieur, je ne vais pas qu'est-ce qu'il n'a pas de travail uniforme et sans uniforme, le job, nous, c'est nettoyer le métro, nettoyer le train, retirer le graffiti. Quand il y a un nègre qui a retiré le graffiti, le train est sorti, pendant que le train est entré, il y a un chargé de graffiti sous lui encore. Kounyan, vous comprenez? Ce qu'on a la police a nettoyé, tant qu'il a nettoyé, tant qu'il y a vu la graffiti, tant qu'il a nettoyé, finalement, les quatre graffiti sont opposés, parce qu'il faut qu'il achète. Parce que bon couleur à acheter, il a coûté l'argent. Finalement, les gars, mais comment je viens assurer, si vous voulez, on vit en dedans de métro New York. Et pour les gens qui connaissent l'histoire, si nous songez bien, le Rudolf Gulyan, il vient de New York, il est Michel Didigan, sauf fait dans la dimension métro, il vient de la dimension ville. Là. Ça, c'est un exemple de leadership courageux. Et que nous avons besoin de type de leadership courageux, ça, yo, si nous-mêmes nous avons besoin de sortir côté nous hier. 16e, nous avons besoin de leader qui n'a pas pour qui. Nous avons besoin de leader qui a dirigé selon la loi. Un leader qui croit dans la dictature des lois. Depuis loi dit, sa loi dit, hein, c'est ça. Pas de donner mesure. Nous sommes été un premier ministre en Hollande. Monsieur a fait excès de vitesse. Il a fait une contravention normalement. Et policier a fait une contravention. Il a fait un peu de job. Non? Et premier ministre a reconnaît qu'il fait excès. Oui? Il reconnaît qu'il fait excès. Il excuse devant policier normalement. Oui? Parce que le policier a fait un job. Oui? Parce que c'est ça la loi dit, la loi est une pour tous. Donc il faut que leader lui-même soit capable de diriger à travers la loi. Donc c'est bon question de passe pour qui. 17e caractéristique là qu'a leader qui a besoin. Parce que c'est important qu'on ait un leader qui remet le monde. Parce que si un leader pas remet le monde, et nous pensons que c'est le problème ça nous là qu'a non, le monde pas remet le monde. Et particulièrement le monde pas remet l'homme haïtien ou bien la femme haïtienne. Ou bien l'impression que mon yo plus valoriser étranger que valoriser mon lakayo. Et ça son bagay grave. Parce que si ou même ou pas valoriser mon lakayo, c'est pas mon dehors pour valoriser. Nous avons gardé un pile haïtien qui en pile mon dans l'état qui est stomaqué lorsque vous avez gardé le traitement que vous avez haïtien en bas pour del Rio. Alors que vous même pas réaliser que c'est parce que ces gens ont géré qui ont haïtien del Rio en bas pour moi.
Parce que si vous même pas aimer monde, si vous même pas bien traiter monde, comment monde va faire bien traiter monde? Donc nous besoin d'un leader qui aime monde. Parce que pas rien de sérieux qu'on capable faire sans l'amour en tant que leader. 18e caractéristique qui est important. Nous besoin d'un leader cap améliorer capacité leadership chaque jour. Parce que défi va changer. Gon principe qui dit à temps nouveau, méthode nouvelle. Donc leadership que on a dès qu'on a exercé capacité de leadership qui on est gagné, pas qu'on est il y a 30 ans de cela, il pas valable aujourd'hui. Donc faut 3 jours parce que théorie a changé, environnement dynamique, faut qu'on dynamique tout. Donc on n'est pas qu'à dire que j'ont été qu'on a dirigé ça gagne 30 ans, ça gagne 40 ans, j'ont été qu'on a dirigé avant 86, c'est qu'on soit dirigé qu'hier, nous on l'autre ère. On a l'autre époque. Donc on besoin de leadership qui est vraiment capable évoluer avec l'époque là. Ou besoin de leadership qui comprend sa technologie, je l'ai dit aujourd'hui. Notre vie aujourd'hui est technologique. Je suis allé en Californie, je parle avec un flâneur qui est Singapour. Et que je dis que Singapour, non seulement Singapour, même si on a l'autre tour, c'était au Corée du Sud. Et bien, je dis que ils ont inauguré des villes, côté ville, ça y est. Mon pas besoin des volants pour conduire machine. Ce n'est pas extraordinaire. Et ça, c'est des bagages qu'on va faire dans 5-10 ans là. Et puis, qu'on y a qui ça vous fait, non seulement, alors, gens que vous faites là, yo, non seulement, vous pas besoin des chauffeurs, des volants, mais vous fait asphalte là, avec une sorte d'élément magnétique. Qu'on y a là, vous fait en bas machine là, avec un autre élément magnétique, c'est comme ça, un pôle positif avec un pôle négatif, qui vient faire que l'OAP est connecté deux aimants ou pas capable de connecter, et c'est même comme ça, vous faites en sorte que pour machine, vous n'êtes pas obligé de toucher à terre. C'est extraordinaire. Vous imaginez, pendant qu'on a fait ça là, il y a deux zones, il y a deux mondes qui levent pour que j'aime une machine dans la ville, en Haïti, et les gars, ils ont positionné tête de comme un gros leader. Ça fait sens. Donc, yon leader son monde qui a une capacité, qui est capable d'améliorer tête constamment pour être capable de faire face avec nouveaux défis. Parce que défi hier ou pas défi aujourd'hui, compétence on est gagné hier pour résoudre le problème, ce n'est pas compétence ça le besoin aujourd'hui, il a besoin de l'autre qualité de compétence. Parce que bagay yo changé environnement dynamique. Dédi 19, si je ne me trompe pas, dédi 19 là déjà. Donc, il y a un leader qui va gagner dans nos cas au fèvre. Et 20e, son leader, le mandat fini, le mandat bout, qui est capable d'aller à l'école. Parce que ça, il vient faire, il est capable d'aller à tête reposée. Donc, il va besoin d'accrocher dans le pouvoir, comme si il a le pouvoir, son bagage, son bagage infini, comme si il a le monde immortel. Donc, il est attaché à pouvoir, no matter what, alors que le mandat fini. Leader à son monde qui a une capacité pour le transférer bâton à l'autre. En sorte que pour l'autre continuer bâti sous sa défait déjà. Et malheureusement, ouais là, chaque nec qui est monté, au lieu que le pôle bâti sous sa défait déjà, elle dénigre sa défait là. Parce que c'est un dénigré à lui-même pour le caparer non bagaille, parce qu'il n'y a pas de plan là-dedans. Hein. Donc leader sérieux à son leader connaît que lorsque le mandat finit, il a besoin de céder place là. Il a besoin de quitter la loi et diriger. Il a besoin de quitter la régulation, quitter le règlement, quitter la constitution, quitter les bagages à faire pour yo. Il n'a pas besoin de raccrocher. Donc pour moi, je pense que 20 caractéristiques sont extrêmement importantes dans le type de Haïti que nous avons gagné, que le type d'Haïti que nous avons échangé. Pour me prendre à Jim qui t'a posé la question au début, donc est-ce que Haïti c'est chance libre à gagner? Je ne sais pas quoi Haïti c'est chance qui va gagner, non? Je pense que c'est le type de leadership que je suis cité là, qui va exister dans le sommet de l'État. Et c'est ça que fait nos côtés aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas de chance. Merci Jean pour l'opportunité côté de moi pour être capable de partager les réflexions. Merci Docteur Jules et vous pour un bon petit temps. Et je sens que et en pile information et un bon l'école et nous avons une question et docteur Jules avant que nous bail monsieur Panel si vous avez des questions vous poser m'a posé une question. Est-ce que vous pas penser que carence
ou du moins c'est carence leadership que nous gagnons et nan, au niveau classe dirigeante là, est-ce que les mêmes tout les déficits ça pas entraîné en carence tout dans modèle de monde, nous veut parler de filles et de femmes de et d'hommes que capable engager les qui t'a dû engager dans transformation société là. Oui, définitivement. Parce que ça passe, c'est problème d'impunité à poser, oui. Parce que le monde qui t'a aimé aspirer à position de leadership là, le regard de l'Ouest, ça t'est là déjà, il n'y a pas gagné de sérieux et vous voulez vous retourner encore. Donc finalement, quoi que pas gagné de sérieux dans le bagage là. Parce que si ça t'est là déjà, pas fait rien. Mais là, tu es dans l'opposition, je dis à lui, dans le pouvoir, demain matin, dans l'opposition, après ça, il retourne encore sous pouvoir. Son passe, cap fait. Vous comprenez, c'est saut là, vous retournez là. Donc là, ça, mon n'a pas assisté là lui-même, la comprendre que c'est comme ça leadership fait. Donc son forme d'éducation négative qui fait là dans mes sociétés et tout le monde n'a pas prendre. Au moins tout le monde apprend que avec question impunité, n'importe monde qui a fait ça au vle, j'ai dit en anglais and get away with murder. Et puis c'est comme ça où elle fait et c'est ça la jeunesse à pas prendre. Et c'est ça qui fait très dangereux. Parce que nous avons copié sur un modèle de leadership qui n'est pas campé sur rien. Et ce sont très belles questions à poser là. Oh, dernière question. Dernière question à poser avant que nous permettions que M. Panelis se pose une question. Nous avons dit que je vais préparer parce qu'il va le next. Moi, j'ai regardé une image ou une vidéo sur les réseaux sociaux. Côté que gagné il y a pas montré au visage mais c'est un monsieur ou bien un garçon avec un zam nan men qui gont ti moun moi crois à peu près 6 ans ou bas songe l'âge là et puis la pofril zam nan et quand on s'en jouette la fait la balle zam nan monsieur dit li pas prend zam nan ti moun nan dit pas prend zam nan parce que maman dit li pas doit chimer li pas chimer s'il prend zam nan maman la calé pas veut le tonon chimer. Et puis il insistait monsieur parle de présence même monsieur répétait plusieurs fois que maman le parlait. Ça fait un paquet et view sur réseaux sociaux, gagne monde qui est tapé des petits monde là, voyez moyen balle pour voyez l'école parce que ouais ce petit monde qui capable gagner avenir devant lui. Mais on pense ça son bagage qui et de nos jours moi son gros bagage lié en pile monde a fait de tout réseaux sociaux avec vidéo ça. Même si dans l'âge pas moi-même l'aime l'école. L'école te apprend à travers civique et morale, un pile bagay qu'on pas doit faire et qui comportement ta doit gagner et responsabilité ta doit gagner par rapport avec pays en tant que monde qui a grandi. Est-ce qu'on pas pense que ta important pour ta enseigner au lieu prendre des matières qui pas dit qui pas signifiant qui ben qui pas gain gros valeur, même parce que ça au plus important. Est-ce que par il ta important pour ta enseigner leadership dans l'école dans pays? Oh oui, nécessairement. Et mais pour commencer à faire ça, faut qu'on ait une vision dans tête tout type de haïtien qu'on voulait voir dans 30 ans. Oui. Maintenant, puisque pas une vision, tout le monde a fait du sur place. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. Et parce que nous avons insisté en pile sur le leadership au niveau du gouvernement civil. Mais c'est pas seulement le gouvernement civil que bon Dieu a mis sous terre comme institution. Et où est la famille tout. La famille joue un rôle important dans le leadership, dans le développer caractère de mon Dieu. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça ce bail là dans la vidéo, ça à côté, monsieur dit, maman le dit non. Donc, c'est pour famille, au grand mère, ouais, et leadership qui a enseigné dans la famille tout, ouais, et puis leadership, et puis on troisième institution qu'on gagne, que bon Dieu a créé encore, c'est l'église. Leadership qui a enseigné dans l'église tout. Parce que lorsque. Monde capable de dire, monde qui fréquente l'église, yo capable de dire, mais type de citoyen que vous avez aimé dans le pays ça. Moi, même qui sont pasteurs, et c'est pasteur radio, docteur radio, monsieur, c'est pasteur en l'église au Nigeria. Je dis dans l'église, parle, le de l'église là que vous invitez pour occuper une fonction dans la haute société, en fonction politique, même dans le secteur privé, l'église là organise une cérémonie d'ordination. Je pense qu'on a abandonné pasteur, oui. L'église organise une cérémonie d'ordination pour faire monsieur comprendre que son mission est brûlée. Ce n'est pas comme il va le faire, mais il va en mission. Et que l'église là comme témoin, il va voir comment monsieur va fonctionner. Et en mettant pile accent sur le développement leadership, parce que leadership besoin enseigner dans la famille, leadership besoin enseigner dans l'école très tôt, leadership besoin enseigner dans l'église, parce que leadership besoin enseigner dans toute plateforme possible et imaginable.
pour que le monde capable de connaître comment il a besoin de fonctionner en tant que monde sur la terre. Merci beaucoup, Dr. Jules. Et à nous, camarade Morange, s'il vous plaît, nous avons invité, mais nous permettons que camarade Morange pose des questions avant. Et puis, nous apprenons, et il y a un monde qui relève par invité, un auditeur de préférence, et nous apprenons après. Et à nous, camarade Morange. Camarade Morange. Encore une fois, je vais remercier Dr. Jules pour l'intervention ça. Écoutez, que la forme républicaine sur ce type de leadership. Ouais. Et Dr. Jules, je vais faire avec un peu l'attention des caractéristiques qu'un leader va gagner pour qu'ils soient un leader conséquent. Même, franchement, Dr. Jules, je vais garder ma part en revue des caractéristiques. Madame Dr. Jules, est-ce que il est possible qu'on ait un leader pour Haïti, qu'on ait un leader pour Haïti? Parce que, le va passer, on vient devant nous, ça va garder, côté monde, ça va projeter l'université, mais regardez, je ne vais pas croire que c'est une moyenne, il va même faire 2 sur 10. Pour Madame Dr. Jules, et qui ça ne pas supposé faire? L'homme dit non, moi, pour toute cause de société, ce qui nous a mis pour nous diriger dans le bureau, qui ça n'a pas supposé faire selon nous-mêmes pour nous développer comme de leadership, ça, de leadership conséquent pour Haïti? Mon cher, premier bagage, je pense que nous avons besoin de faire, nous avons besoin de suspendre, recycler les leaders par rapport aux soins. Tout leader ça, qui sous scène politique là, depuis 30 ans, qui a monté et descendu, nous avons besoin de suspendre, recycler. Même Jean Gombagay aux États-Unis, le cancel culture, nous voulons dire cancel leader ça. Yo. Cancel yo, parce qu'il n'y a pas de résultat. Parce que c'est au là avant, c'est au là après, c'est au là, c'est sauter dans l'opposition, tomber dans le pouvoir, sauter dans le pouvoir, tomber dans l'opposition. Nous voulons dire cancel tout leader ça. Yo. Bah, yo kané. Et puis, qu'on y a là, travail avec monde qui veut, monde qui désintéressé, et puis accompagner eux. Pour qu'il soit capable d'exercer son leadership à la manière de Jean Tap décrit là. Donc, mais nous besoin de suspendre ou recycler. Parce que je pense que nous-mêmes, nous pas donner monde trop facile dans le pays. Ça. Quel que soit ça, nous n'en faisons, c'est comme si nous parce que nous avons un concept dans la tête, nous n'en arrivons. Depuis que nous n'en arrivons, tout ça le fait bon. Ce n'est pas normal. Merci, Dr. Gilles. En allant avec nous, nous avons... Il y a un monde qui souligne là, c'est un auditeur et n'a pas et puis n'a pas passé avec Salomon rapide au pisto. On a avec l'auditeur là, c'est bien une question. 33 61 26 57 9 53. Bonsoir. Oui, allô, bonjour. Je salue tout le monde qui est dans l'émission. Hein. Et moi, c'est la guerre, alias Salomon. Ma prêle nous depuis Paris. Nous saluons Boule. Nous saluons tout le monde qui a écouté l'émission. Et moi salue le professeur et Gilles. Et nous sommes un monde qui toujours a dit qu'il n'y a pas de monde là-dedans. Je crois que ASOEA s'est confirmé. Le professeur a confirmé. Mais grande question m'a posé avec le professeur, pour moi-même, je ne connais pas les gens qui ça. Je connais pas, c'est une surprise pour moi à soi. Mais question que je m'a posé avec le professeur, et qui était, pour moi-même, c'est la première fois que je qui était en silence devant tout ce qui a passé à Haïti, jeudi, et on croit au monde comme ça. Il te doit à marcher dans l'université, rencontrer étudiants haïtiens pour faire comprendre que les haïtiens toujours qu'à réfléchir. Alors, devant ce silence, est-ce qu'il n'y a pas un complice de ce qui a passé en Haïti? C'est question de ça. Nous saluons, professeur. Merci beaucoup. Et nous saluons rapidement. Son très belle question posée. Pourquoi t'attendez-vous? Merci beaucoup, vraiment apprécié ça. Pourquoi c'est son très belle question posée? Et le plus souvent, lorsque on dit au monde fait silence, et c'est parce que on va ouais, matin, midi, soir, sur les réseaux sociaux, à chercher like. Et si on a tant moins sur les réseaux sociaux, à chercher like,
et ou pas besoin de moi là-dedans. Donc là, ça va penser me faire silence, oui. Et monsieur Pandam très présent sur des plateformes que je supposais présent, parce que en tant que chrétien, je crois que l'Église a besoin de jouer un rôle prophétique, et non seulement pour l'annoncer, mais pour la dénoncer tout. Donc je pense que je ne fais pas partie du tout de monde qui est silencieux. Yo. Maintenant, si silence là vous définit tant que monde qui toute la journée qui a posté sur Facebook et qui a posté sur Instagram, moi-même c'est pas plateforme pam, c'est pas là moi mon jeu rôle prophétique pam non. Mais toutes les fois que opportunité à offrir à moi-même et moi toujours parler bagaille, genre me fait que ça t'a fait là que c'est au niveau de enseignement et que m'a fait dans l'église, que c'est au niveau de l'enseignement que m'a fait à l'université, que c'est au niveau de plateforme Apologia que m'invite à télécharger Apologia app-o-logia qu'on capable télécharger sur téléphone, que c'est Android, que c'est iOS. Donc là, ça va pour effectivement ou pas en face d'un monde qui est silencieux. Maintenant, si silence là, ces questions et poster sur les réseaux sociaux, sur Facebook, à chercher like, ça va pas tempérament pas. Merci, Dr. Jules. On allait avec camarade Foucault. Non pas camarade Foucault, on n'a pas camarade Salomon. Salomon, on va y aller avec ça. Camarade Foucault. Bon, merci, camarade. Et Félix, avant même de me poser Dr. Jules une question, nous saluons Jocelyn depuis Miami, capitaine de l'émission. Et Dr. Jules, nous savons que nous avons un problème de leadership grave dans le pays. Et tout le monde constate. Mais nous, en tant que nous-mêmes qui sommes la population, nous-mêmes qui faisons partie du peuple, qui pas dans la position pour nous diriger, ou bien qui n'est pas leader. En tant que peuple, qu'est-ce que nous devons faire pour nous faire que leader ou assumer responsabilité? Ou bien prendre responsabilité? Excellent, c'est une très bonne question. Et me dire mais Jean Boule t'a commencé émission hein? Et lorsque nous t'a parlé de leadership, nous t'a expliqué que et leadership pas seulement fait au sommet, leadership fait à la base tout. Ouais, maintenant cependant et pour émission ça, nous te ballons couleur leadership au niveau exécutif au sommet. Et mais cependant, ça pas empêché que société civile l'a organisé. Or, réalité a montré nous plus yon société civile organisée plus leadership exécutif la prend mêle. C'est-à-dire que plus société civile la forte, plus l'État a fort. Et donc, c'est-à-dire que société civile la gros responsabilité, certainement le besoin d'organiser le tout, organiser en association, faire bagaille bien à niveau pal. Parce que, effectivement, il y a pile problème que nous avons confronté en Haïti, qui besoin d'adresser par le biais de politique publique. Mais il y a deux bagailles, nous n'avons pas besoin de politique publique pour eux. Ce n'est pas politique publique qui fait Jean-François Salomon t'a expliqué tout à l'heure là que on monde juste créer le fait besoin de l'autre côté. Ça va oublier en politique publique, ça c'est une question de hygiène personnelle. Donc bon série de bagages monde yo capable organiser yo en tant que société et puis pour eux-mêmes le ça yo capable si vous voulez lorsque yo regroupé yo capable des organes de pression. Ouais, qui fait pression sur leader qui est au sommet, qui leader sur l'État, dans le sommet l'État, qui pour dire, mais qui ça pour faire. Mais maintenant, qu'on est, lorsqu'on a une société civile qui fragmentée, qui divisée pour plusieurs bagailles, nous divisons dans la question religion, nous divisons dans la question de cob, nous divisons dans la question de couleur, nous divisons dans la question de quartier, qui quartier levé, nous divisons dans la question arrière-plan socio-professionnel, nous divisons diaspora haïtien, nous complètement divisés. Maintenant, la Bible claire sur ça, il dit, un royaume qui divise contre lui-même, il n'est pas capable de camper, il n'est pas capable de subsister. Et c'est ça qui fait nous pas capable de jouer un rôle important en tant que société civile, nous fait pression que nous supposons faire pour que nous capable porter le monde à réagir. Parce que nous ne pouvons réaliser que bon niveau de pression que même nous-mêmes, si nous étions bien organisés dans la société civile, là, nous sommes capables de faire la communauté internationale la pression pour nous balayer tout. Oui. Mais la communauté internationale a profité de cette division nous pour le surfer. Mais si nous étions bien organisés, lui-même tout, nous sommes capables de faire la pression. Et c'est ça que fait, je reprends encore, leadership par un bagage qui est seulement fait au sommet. Leadership fait à la base tout.
Mais leadership à la base, là, son leadership qui besoin organiser, regrouper en association, parce que automatiquement, regrouper, qu'on y a l'envie tout non, ou une grosse aurélie en pouvoir de négociation. Mais automatiquement, c'est dans l'individualité. Chaque monde a fait affaire par eux. Donc, on n'a pas de force encore. Même si vous parlez, personne ne va pas au sérieux, non? Pour vous prendre au sérieux, il faut commencer, faut prendre là, vous commencez à bouler à droite à gauche. C'est le ça pour vous prendre au sérieux. Pour qui ça? Parce qu'on n'a pas organisé. Donc, plus société civile l'a organisé et regroupé et le jam, plus la bien capacité pour faire pression et sous exécutif là et sous international là. Mais lui-même, faut fonctionner bien. Merci beaucoup, Dr. Jules. Et avant que nous passions avec Camarade Salomon, on a profité de saluer Anita Gilus, Finis Mariette, et puis on a salué Franco, et puis Jocelyn Steve. Camarade Salomon, on allez. Merci, Dr. Jules. Alors, je félicite pour tout point ça et vous apprenez à ce moment. Vous apprenez un peu dans l'école. D'ailleurs, l'émission Parole de la Caïsse dans l'école. Alors, merci pour 20 caractéristiques, ça y est, qui vont apprendre à soi, la caillon, un leader, ou bien un bon leader. Mais maintenant, et Dr. Gilles, question par là, quoi, l'innocence, ça. Comment te dire que leadership, là, il est capable de construire la caillon, ou comme ça, tout, il est capable de dire, donc, il est. Maintenant, comme Haïti, dans toute histoire, si nous avons dit que l'histoire, après Jean-Jacques Dessalines, qui était connu dans l'histoire d'Haïti comme le leader, Haïti, pour que j'aime qu'on le leader encore, en fonction de toutes caractéristiques, ça va vous citer pour nous là. Maintenant, quand tu avais dit, leader ça, ou bien leader ça, c'est construit, nous avons doué à le construire. Maintenant, là, il y a un processus 1, 2, 3, qui ça nous a doué faire pour nous construire leader ça, Monsieur, construire leader, ça, très bonne question, et M. Salomon, il faut me donner très apprécié tableau que vous avez dépeint dès le début de l'émission. Hein. Alors, bon proverbe qui dit que son seul bagage est capable de faire de Rome en un jour, c'est bouler. Ouais, son seul bagage est capable de faire de Rome en un jour, bouler, mais je vois un néon, c'est bouler là. Parce que le type de bagage que vous parlez là, son changement de paradigme, son changement de culture, son changement de mentalité, il a pris temps. Même si demain matin, on change toute infrastructure dans le pays d'Haïti, si la mentalité va changer, le problème n'a pas été entier. Et c'est ça qui fait qu'il y a deux zones où passer tout, même au niveau de diaspora, où un comportement que Haïtien a en Haïti a, il exporte l'autre bois. Parce qu'il y a un problème de mentalité. Et lorsque l'on parle de changement mentalité prend temps. Et une des choses qui est importante dans le changement mentalité, c'est l'éducation. Éducation formelle, éducation informelle, éducation civique, tout bagaille ça a besoin d'entrer là-dedans. Et son bagaille nous besoin intentionnel là-dedans. Pour nous dire peut-être nous dans 20 ans qui type d'haïtien que nous avons ouais. Et c'est ça que la société civile Rwanda a été fait après le génocide là, en 95. Nous dit peut-être yo qui type de Rwandais que nous avons gagné. Et yon n'a bagaille yo dit peut-être yo. Nous besoin un Rwandais qu'on y a qui parle anglais parce que nous voulons divorcer avec mon francophone. Parce que c'est belge qui te mette dans la situation ça. Lorsque vous mesurez la longueur boane nous, si boane moun ça long et ils sont bel moun, si boane moun ça plat, il l'aide. Donc divorcer avec bagay ça. Donc nous conseillons de bagay dans la société à fond garder une série de pratiques dans la société à fond divorcer avec eux tout. Nous conseillons de proverbes que nous avons cité dans le pays. Ça font suspendre depuis la Guinée, nous avons trahi. Plutôt nous l'aide nous là. Font suspendre les choses, font suspendre répéter sous tête nous. Tout ça fait partie de l'éducation. Je pense que le grand bijou qui écrit un livre qui est les mœurs qui blessent, ou bien les mœurs qui tuent une nation. Parce que j'ai vraiment dit ce livre-là. Monsieur, tu as identifié un ensemble de proverbes. Que nous gagnons la culture, donc, c'est des proverbes négatifs. Aussi longtemps que nous avons répété les choses, nous avons enfoncé tout en plus bas. Donc, tout ça entraîne dans l'éducation, mais c'est tout un changement de mentalité. Et c'est ça que moi-même, pas monde qui croit que Haïti va changer demain matin là, moi-même, pas croire comme ça. Je pense que nous avons besoin de génération là pour mettre Haïtien campé sous deux pieds.
pour capable changer mentalité ça parce que le gars fin enraciné et même petit monde qui a pleuvé kounia là il a suivre sur nous même qui gain temps qui pas camper sur rien et a pas prendre de nous même parce que son climat d'impunité tout le monde fait ça au lui même Jean Rodou dans l'époque des juges il y avait point de roi en Israël chacun faisait ce que bon lui semble c'est même bagarre actuellement chaque monde a fait ça bon pour lui parce que pas gain leadership pas gagné donc il fait ou pas bon solution 1 2 3 4 ou besoin de travail pour amender et mentalité ou pour changer culture et donc là ça c'est tout le monde qui besoin mettre main à la pâte toute institution ou besoin mettre main à la pâte famille besoin mettre main la donne l'église besoin mettre main la donne l'école besoin mettre main la donne entreprise besoin mettre main la donne association besoin mettre main la donne et on voit toute caisse populaire besoin mettre main la donne association producteur besoin mettre main la donne tout le monde n'est pas mettre main pour nous capables de dire nous le type d'haïtien que nous avons aimé dans 20 ans mais à qui ça haïtien ça doit sembler et même curriculum que n'a pas utilisé l'école besoin orienté en fonction de profil haïtien ça que nous avons aimé dans 20 ans pour nous dire tête nous pour nous arriver là mais ça doit faire donc ça c'est tout un projet de société c'est pas on va là on est dans crédit là non quelques là ou une radou dans une déclaration de politique générale il va changer pays là et pour qu'on pas qu'être raqueté en bas dans parlement qu'a pas bravo et puis fait mon quoi que on va qui va qu'on va essayer de pas faire de vrai il va marcher comme ça son seul bagage capable faire de homme dans un seul jour c'est mettre du feu là-dedans mais tout changement durable prend temps. Merci beaucoup et docteur Jules et dernière question que n'apprend les mamans camarade Jean-Baptiste s'il gagne toutefois camarade Jean-Baptiste. Oui, allô? Je ne pas un camarade Jean-Baptiste. Je vous allô, bonsoir, camarade Jean-Baptiste. Camarade Jean-Baptiste, allez rapide. Voilà, on va parler sur moi-même. Allez, c'est fini. Nous saluons mon professeur et nous-mêmes, notre monsieur Jean-Baptiste, et nous faisons partie des groupes là-dessus, mais nous continuons en retard parce que nous avons notre check obligation. Question que nous avons posé là, ou déjà répondu, mais quand même à poser lui. So, question que nous avons aller comme ça, nous avons demandé qui ça pour nous faire pour nous capables de changer, pour nous capables de changer la situation du pays d'Haïti. So, nous avons répondu, nous avons dit que c'est pour nous. Bon. Excusez-nous. Ou dit déjà, c'est organisé pour nous organiser, non? Parce que nous avons regardé vraiment, la société nous a tellement divisé en timide et morceaux, et parfois on a demandé est-ce que le pays d'Haïti a jamais arrivé à développer, vrai? Parce que nous sommes tellement divisés. Ouais, pas rien qui est mis dans le pays ça. C'est-à-dire que nous avons un emblème que nous disons l'union fait la force, mais nous n'avons jamais mis en application. Et ça que fait moi t'a posé question ça c'est parce que nous ouais l'idée nous yo les par exemple peuple a mandé un changement ou bien peuple a dit il t'a mis tel bagage changer nous ouais yo fait la sous ouais yo pas jamais tout autant c'est pas diffé pas le mettre dans ces institutions tout autant on pas craser briser dans l'arrière mais diffé dans machine boule caoutchouc yo pas jamais tendé. Et même là, nous ne pouvons pas attendre. C'est un seul là d'ailleurs, nous changeons plus ou moins. Et c'était prévu dans ma tenue. Il y a quelques bagages, le peuple a protesté, il tourne sous décision. Mais la majorité, l'idée, nous mettons la poule en moins pour t'ajouter dans la rue. Il y a même un couteau, il y a même un kipo même. Pour qui ça, comme vous avez déjà répondu, je ne connais pas second, l'autre bagage, vous devez ajouter sur ça. Bon, j'aime comme dit à l'heure, pour moi-même, c'est son véritable profil pour nous dresser de qui type d'haïtien que nous avons aimé vivre en Haïti, ou bien qui type d'Haïti que nous avons aimé. Et puis, font un complot entre nous-mêmes et pour que nous arrivions là. Parce qu'au final, nous tous perdants. Que c'est le monde qui a vu dans le pays, que c'est le monde qui a vu dans la diaspora, nous tous perdants. Tout le monde perdu.
Donc c'est fond complot pour nous dire mais qui côté nous voulons aller. Et qu'on y a là, maintenant tête nous que faut que mentalité ou changer pour nous arriver côté de l'arrivée. Donc faut que nous adresser tout monsieur. Faut que nous adresser toute valeur. Pour faut que nous ayons de nouvelles valeurs que nous besoin épouser pour nous croire dans la valeur ça. Et que pour nous adopter ou dans la pratique, nous dans jeune de fonctionner. Et puis éduquer tout le monde nous pour être capable de faire. Et puis veiller leader ou veiller l'acquitter. Et qui sous pouvoir veiller nèg sa yo, nèg la qui était sous pouvoir, la qui était dans opposition, dénoncer nèg sa yo, et puis cancel yo, retirer ou dans figure moun, et puis pour nous dire, mais qui type de leader que nous avons mis sous tête nous tout. Parce que ce n'est pas normal tout dans un pays, tant qu'au pays d'Haïti, pour un président de la République, parce qu'il fait 600 000 voix dans l'élection, il n'est pas normal. On va y marcher. Pour qui ça, parce que nous avons un électorat qui est mietté. Parce que personne ne va faire personne confiance en climat de méfiance totale dans le pays. Il faut que nous posions. C'est ça que nous avons dit matin. C'est ça que nous avons dit. Et Salomon t'a dit, lorsqu'il t'a expliqué, et nous avons besoin de poser vrais problèmes pour que nous capables d'arriver à vraies solutions. Et je pense que c'est ça que nous commençons à faire là, au niveau de l'émission. Ça. Donc nous avons besoin de plus d'émissions. Et si vous voulez qu'il est capable de mettre la réalité en face du monde, il est vrai que nous avons des dirigeants qui soudent, qui aveuglent, mais il y a plusieurs façons qu'on est capable de faire pression. Pression, on va obliger de faire seulement dans mettre du feu, dans craser brisé. Parce qu'automatiquement, on craser brisé. Donc là, ça va vous condamner pour non perpétuel recommencement. Parce qu'au contraire, nous supposons à protéger le peu d'actifs que nous avons dans le pays. Nous n'avons pas dans un mouvement pour nous craser. Ce n'est pas craser pour nous craser, c'est organiser pour nous organiser, nous, pour que nous soyons capables de faire pression. Non seulement nous faisons pression sur les nègres, mais nous faisons pression tout sur l'international pour que nous capables de prendre au sérieux, pour capable prendre en sérieux en tant que peuple, pour que effectivement nous prenons côté de l'aller et que nous prêts pour nous capables, j'ai dit en français, enterrer la hache de guerre, pour que nous fassions cesser toute division, ça, division l'argent, division race, division cob, division religion. Toute qualité de division que pour nous, pour nous, ouais, nous comme une seule nation. C'est comme ça, oui. Et c'est une propre nation dans la nation, ça. Parce qu'elle est divisée. C'est ça qui fait justement nous affaiblir dans ce sens-là. Et il y a d'autres monde qui a profité de l'affaiblissement, nous. Ou bien mon dans le pays qui a profité de l'affaiblissement, nous. Ou bien mon dans le pays qui a profité de l'affaiblissement, nous. Donc tout le monde a profité. Docteur Jules, nous sommes arrêtés pour nous dire merci. Et Camacho Baptiste l'est arrivé sur nous, c'est bien malheureux. Et nous étions 5 minutes seulement. Nous pouvons permettre que. Et bah, qu'on est sous son bas, on va pas ajouter, mais nous pas prendre question encore, Camacho Baptiste. Et si son bas, on va l'ajouter. Non, c'est pas question. Alors, ça que nous avons dit, alors, c'est presque une question. Nous avons dit comment que nous sommes capables d'organiser nos couilles là. Pour nous faire ça fait parce que nous ouais il y a tout genre essayer pour former un bagage pour former une conscience nationale tout le bon groupe qui passe derrière puis boycotter l'écraser Camacho Baptiste n'a venu avec n'a gagné docteur Jules encore et effectivement avant que nous quitter docteur Jules conclue pour nous et m'a tout demandé et m'a remercier docteur Jules d'abord. Et le fait que le répondre avec invitation nous à soir, ça c'est une deuxième fois le répondre à invitation nous. Et souhaiter ou pas souhaiter, je crois que l'auditoire là était éclairé. Et docteur Jules a éclairé l'antenne. Et puis je crois que il a compris tout et il a fait ça me décadi, il a emmagasiné toute information ça, toute belle information ça, l'école ça. Et nous remercions, et c'est ça seulement que nous avons dit, et pour l'invitation à te répondre, et puis façon que, ni pas suprême tout, parce que nous sommes habitués, ça fait deuxième émission, et nous comptons qualité, c'est une raison qui fait que nous choisissons d'inviter nous, et aussi une d'inviter d'honneur nous, et chaque fois qu'on vient, on prouve ça, et nous remercions, et maintenant nous pour surtout pour prendre engagement pour nous assurer là. Et nous avons besoin de vous parce que nous avons besoin de faire appel à vous. Depuis vous pas occupé nous pour bonheur, ou à plat avec nous, mais quand même vous faites parce que nous avons un suivi. Et comme Jean-Baptiste veut dire, son question nous va qu'apprendre, même temps, mais un suivi, une alternative avec craser boulet.
écraser bouler et tout ça nous gagne pour nous bouler écraser une dame quoi alternative et me penser que ou t'as pour inviter de Marc encore et ou t'as pu un bon invité de gagner pour adresser situation ça et proposer une alternative. So t'as plutôt conclu. Bon, et vous voulez féliciter Paul Lacay pour ça que n'a pas fait là. Moi pense que c'est un gros bagage n'a pas fait parce que lui le lit temps pour que journaliste yo connaît qui est y a bail micro parce que deux monde nous supposé fermer éteindre bouton micro dans bouche yo. Tout vieux politicien traditionnel yo pas bail au micro encore pas quitter au parler. Pas quitter gangster à parler dans micro. Je dis ah ouais tout gangster et la fin font bagarre là et les journalistes viennent à puis une filmer ensemble avec zama bal parole. Faut pas ça nous fina bagarre ça. C'est type de mission ça que nous besoin. Des émissions côté monna la formé tête li monna et formé tête li monna la prend conscience pour capable ouais une série de décisions qui besoin prend. Donc nous devons les féliciter pour opportunité ça que vous ba moi et nous les remercier tout. Et frère Morange ensemble avec et camarade Foucan et qui ont même été connectés nous ensemble avec Paola Kaina Fassa. Merci beaucoup. Ainsi que frère Salomon. Merci. Merci docteur Jules et nous souhaitons que nous gagnons encore une fois et surtout pour nous faire suivre avec l'émission. Ça qui est vraiment important et j'en ai dit tout à l'heure pour nous avoir une alternative avec Boulier et Crase Briser pour nous avoir une alternative avec lui et dans le cadre de l'émission ça a formé le monde. Et n'a pas permettre que monsieur l'ait arrivé et n'a pas permettre que monsieur Panelicio seulement conclue avec une salutation. Au revoir. Et camarade Morange. Merci Boule. Merci encore docteur Gilles. Et n'a pas dit merci à public qui a écouté nous. Et n'a pas rappelé public là que intervenant quand vous attendez, c'est auteur d'un ouvrage qui est l'objection rejetée. Le monde qui a gagné besoin d'ouvrage ça, ou quand aller sur Amazon. Ou mettre clic, taper docteur le Jules et vous avez une petite ligne là qui est objection rejetée. Ou il a bon pour en pile si vous avez un livre dans la bibliothèque. Bonsoir à tout le monde, c'est un plaisir de nous être avec vous. Rendez-vous cassé pour samedi prochain, non, même là encore sur le même fréquence. Bye bye tout le monde. Merci Mourage. Camarade Salomon. Nous disons gros merci, Jim, parce que tu as une opportunité pour nous participer à soi encore dans notre émission et puis partager le panel là avec Dr. Gilles. Et nous disons gros merci à Dr. Gilles. Nous apprenons un pile bagage à soi. Nous disons tout le monde qui t'a écouté, nous disons gros merci. Et nous cassons rendez-vous pour samedi prochain si vous mettez l'abri de nous la vie. C'était Jean-Pierre Gros Salomon depuis la Cochine. Ça va, tout le monde. Camarade Salomon, camarade Foucault, vous préférez depuis Haïti. Camarade Foucault, concluez-vous. Bonsoir tout le monde. Nous remercions Dr. Leslie Gilles. Et qui te répondent présent et qui font une émission extraordinaire avec nous à Soya. Et Jean Kamad Bourancho de Zalea. Et moi, c'est important pour nous supporter Dr. Lissé Gilles dans l'ouvrage qui est objection rejetée, qui n'a pas venu sur Amazon ou même qui est ici au quartier de Calvary Chapel, Wap Jeunie. Et pensez tout sur, cliquez sur et Google, sur Facebook, et via Dr. Lissé Gilles ou qu'à jeune ouvrage là. Et vous même qui t'attendez des émissions ça, ou t'as aimé pour mon tadel, pas négliger à l'aborder avec page radio qui c'est page YouTube et page Facebook et me certain que vous avez une émission ça et vous capable partager avec l'autre monde pour tant des émissions ça et me certain vous pas prendre et monde ça tout que vous fait abonner à tant des émissions ça il pas négliger remercie parce que émission ça son émission série sur gâteau. Nous saluons Katia Foucan, madame Mouem, saluons Achagina Bonisse. Bonsoir tout le monde, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse Haïti. Merci beaucoup, camarade Foucan, qui est panéliste et puis correspondant depuis Haïti. On nous fait place avec camarade Jean-Baptiste, un dernier mot. Bon, merci, monsieur Boule, et merci à Dr. Gilles, qui a vraiment passé un bon petit temps à instruire la communauté. Comme vous j'en ai dit, c'est pour nous, quand c'est des leaders, et puis. Ouvert et cadre pour l'autre monde, pour l'autre monde capable qui vraiment conséquent par lui-même dans le pays, pour être capable de gagner la voix au chapitre, parce que nous, ça, conseil de côté, il n'y a pas parlé, même si vous avez parlé, il n'y a pas parlé. Donc, nous remercions lui parce que lui-même, il a accepté l'invitation, nous, et lui, ouais, que nous avons fait un bon travail. Nous lui remercions et nous espérons que lui encore nous saluer public là. C'est bon Dieu bénis nous à samedi si Dieu roule, si bon Dieu protège nous la vie. Merci. Bye bye. Merci beaucoup, camarade Salomon, camarade Foucan, camarade Baptiste et camarade
Salomon depuis Chili, camarade Morange depuis New Jersey. Nous remercions Dr. Jules encore une fois et nous pas gagne pour nous remercier lui, nous remercier César et nous remercier Patuko, nous prenons 2 minutes sur nous disons merci, nous disons tout le monde merci qui t'a écouté nous et spécialement je salue madame moi pas faire oublier ça sur manquer elle prend grage moi saluer et madame moi et moi saluer Timon yo saluer madame chaque monsieur Panelicio et chaque grand monde qui était branché à soir. Nous disons merci et nous souhaitons vous passer une bonne fin de semaine et nous attendons samedi prochain si Dieu veut. Et